Eh bien salut tout le monde, c'est Moonwalker, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est sur la map Freight à la Vector, le canon long, enfin vous comprenez, j'en ai marre de dire toujours la même chose. Canon long c'est, enfin, vous savez que c'est ce que c'est quoi. Et puis la poignée, non, je sais pas s'il y a la poignée, normalement il doit y avoir la poignée, je sais pas, on la voit pas. Je pensais, bah lui avait la, ouais, c'est quoi ce bordel, on voit pas la poignée sur le gameplay, mais je pense que normalement c'est muzzle break et la poignée. Mais je sais pas, sur la Vector on la voit pas apparemment la poignée, à part si c'est un bug. Enfin je sais pas, je m'en fous. Et c'est pas grave, donc on est sur Freight Domination. C'est un peu comme le dernier gameplay en fait que vous avez pu voir sur ma chaîne. En fait ce gameplay était même fait avant, sauf que j'ai voulu mettre l'autre avant parce que j'avais pas envie de commenter. J'avais l'autre gameplay, je me suis dit bah je vais mettre l'autre. Et puis voilà, bah j'ai mis l'autre. Et puis voilà, donc c'est celui-là, franchement, il est pareil, franchement. Ou ça, alors ça, c'est bizarre. Puis voilà. Mais celui-là, il est pareil, franchement. Beaucoup d'intensité. Enfin, beaucoup d'intensité. Je m'en rappelle plus, vous verrez bien. Mais voilà, il y a la KEM en assaut. Avec une kill streak de 50. Si je me trompe pas, si je m'en rappelle bien. Donc voilà, vous allez voir ça par la suite. Puis voilà, donc comme je vous ai déjà dit, peut-être, je m'en rappelle plus. Mais la plupart de mes KOM sont en assaut, je m'en fous des KOM, donc c'est pour ça. Je joue toujours en assaut. Et je joue les positions toujours. Et puis, s'il y a chance série KOM, ben pourquoi pas tenter, mais voilà. Gagner avant tout. De toute façon, vu la vidéo que j'ai faite la dernière fois, là, avec tous les retours positifs qu'il y a eu, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu quasiment 200 pouces verts sur une vidéo. J'en ai un peu plus de 190 si je dis pas de bêtises, ça faisait longtemps. Alors pourtant elle a que 700 vues, hein. Elle a que 700 vues par rapport à avant. Pour avoir mes 200 pouces verts, avant il fallait que je fasse plus de 1000 vues. Alors que là j'ai 700 vues et j'ai... Alors ça aurait été magnifique si le mec, je l'avais pas loupé, qu'il avait un peu plus pris ses balles, hein. Mais c'est pas grave. Bon, comme je disais, voilà. Pour avoir 200 pouces verts avant, il fallait que j'aie un peu plus de 1000 vues. Là, j'ai 700 vues et j'ai déjà plus, j'ai quasiment 200 pouces verts. Donc, merci beaucoup à vous du soutien et tout. Faut leur montrer que voilà, faut jouer les points et arrêter de penser à des trucs qui servent à rien. Seulement pour montrer que voilà, pour rien montrer, hein. Seulement pour faire des buts, simplement. Moi, peut-être que ça va faire des buts, ça, une KEM à mon assaut, je m'en fous. Mais voilà, je joue pas pour et quand on joue pas pour, les KEM sont plus belles. Donc, voilà, quand on joue pour, ça se voit tellement que ça en devient basique et moche. Parce que les gens qui gardent des zones et qui jouent leur KEM. Après, voilà, s'ils rush, qui jouent les positions en même temps, c'est bien. Mais c'est rare. C'est très rare. J'en connais, mais ils sont pas français. Et puis voilà, il y a Markovg. Markovg. Pour le moment, voilà, il y a Markovg et puis c'est tout. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui rush, qui jouent les positions et qui font tout ça en même temps. Donc voilà, dès qu'il y en a, faut les dire. Donc allez voir la chaîne de Markovg. C'est du très lourd. Et puis voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire dans ce commentaire-là, franchement. Par que j'ai encore des gameplays, vous inquiétez pas. Je joue un peu moins à Call of en ce moment. Bon, faut dire aussi qu'il y a eu le nouvel an, l'autre truc qui sert à rien. Puis voilà, donc j'étais pas chez moi. Après, j'étais chez moi, mais il y avait des invités, donc pas pu jouer. Donc ça, c'est chiant. Et puis voilà, je me suis aussi acheté Minecraft. Donc j'avais la version craquée avant, mais j'ai décidé de me prendre la vraie version. Parce que voilà, j'avais envie de jouer à Pixelmon. Pour ceux qui savent pas, Pixelmon, c'est un mode sur Minecraft où vous pouvez jouer à... Comme si vous jouez à Pokémon, il y a les Pokémon et tout, donc c'est trop stylé. Donc je vous conseille franchement. Donc ce que j'ai eu pensé, bon après déjà je demande, est-ce qu'il y a dans mes abonnés des gens qui jouent à Minecraft qui ont la version payante ou même craquée? Parce que en fait, je sais, moi qui jouais à la version craquée avant, je sais que c'est un peu chiant pour les serveurs, faut faire. Enfin c'est chiant d'avoir la version craquée quand il s'agit de faire des serveurs ou de rejoindre des serveurs. Donc voilà. Donc voilà, tout d'abord, qui a la version, qui a Minecraft, craqué ou payante, indiquez-le dans les commentaires de la vidéo. Et aussi, voilà, j'aime beaucoup Pixelmon, donc pour ceux qui jouent déjà, ben, faites-le savoir aussi dans les commentaires de la vidéo. Et ce que j'ai eu l'idée, ben, c'est de faire un serveur Pixelmon, entre abonnés, ou même, voilà quoi. Mais ce que je sais pas, en fait, c'est que, est-ce que c'est payant de créer un serveur comme ça, Pixelmon, donc je sais pas. Moi, c'est un petit serveur basique, hein, juste, voilà, créer un serveur.
20 personnes maxi, même plus, hein, je sais pas. Parce que je sais que j'avais déjà été sur un serveur où voilà, où fallait le gars qui avait le serveur devait payer à chaque fois, tous les mois, pour garder le serveur. Donc je sais pas si c'est obligé de payer pour un serveur quand on a la version achetée du jeu, ou même voilà, peut-être pas aussi, je sais pas. Il y a Paramachi, Amachi, c'est gratuit. Faire un serveur, c'est gratuit, mais je sais pas si ça marche avec Pixelmon. Enfin, dites-moi, pour ceux qui ont l'habitude de créer des serveurs et tout, dites-moi un peu. Aussi, proposez-moi aussi des serveurs de Hunger Games, de quoi encore? Il y a bien aussi, voilà, des serveurs français. Bon, j'en connais des américains de serveurs parce que je regarde, comme vous ai dit, moi je regarde que des youtubeurs américains, donc je connais que des trucs américains. Et je vais essayer d'aller sur leur serveur aux américains pour voir un peu si j'ai pas de problème de connexion, pour voir. Déjà, c'est le principal quand vous jouez à un jeu en ligne, c'est de pas avoir de problème de connexion, parce que si c'est pour jouer sur un serveur américain, que je lag à chaque fois, donc c'est pas normal, ça va être un peu chiant. Donc voilà, dites-moi un peu des serveurs, des bons serveurs français, ou voilà, où il y a des Hunger Games. Donc je sais pas comment ça s'appelle en français, Hunger Games, je pense que c'est pareil, franchement. C'est oh là, quand même. Enfin bref, voilà. De toute façon, je continue à prendre les positions parce que c'est le principal. Donc allez, on dégage un spawn, on prend la position. Alors que la plupart du temps, c'est les mecs qui font ça. Ils dégagent un spawn, ils prennent pas la position et ils courent de l'autre côté. Donc après, ça fait que les adversaires reviennent au score. C'est qu'à la fin, après, ils se font défoncer, ils perdent la partie. Donc voilà, c'est ce que font la plupart des gens. Et c'est quand ils font ça, j'ai seulement envie de leur dire, bah tu sers à rien, mec, tu sers à rien du tout. Enfin bref, on va pas revenir sur des trucs que j'ai déjà dit. Vous avez compris, c'est quoi le truc. Puis voilà, donc dites-moi un peu comment ça marche pour les serveurs Minecraft. Si voilà, dites-moi un peu. Et après, si, voilà, on verra bien. On verra bien. Donc dites-moi des serveurs bien, Hunger Games, si c'est possible. Ou si vous avez déjà des serveurs Pixelmon, ou déjà des bons serveurs Pixelmon, donc proposez-moi. Là aussi, hein, comme ça, on se fait pas chier à créer un serveur. Et voilà, ça peut être bien aussi de créer un serveur comme ça. Et puis voilà. Donc dites-moi un peu. Et puis voilà, donc pour ceux aussi qui veulent jouer à Pixelmon, il faut télécharger Forge. Enfin, je dis des trucs comme ça, mais voilà, quoi. C'est pas du tout du Call of Duty. Et voilà, faut pas s'arrêter qu'à Call of Duty. Moi, j'aime bien jouer à d'autres jeux de temps en temps, quand j'en ai la possibilité, parce que j'en ai pas toujours la possibilité. Et voilà. Donc, voilà. Après, j'ai aussi, voilà. Après, on va revenir un peu sur d'autres trucs de Call of Duty. Donc, ce gameplay-là aussi, il sera aussi sur la rage demain. Donc, ce sera pas commenté par moi, encore une fois. Parce que, voilà, les abonnés de la rage, il y en a qui aiment pas quand je commente comme un casso, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je commente comme je veux. Mais voilà, les gens, ils veulent pas. Donc, ce que j'ai demandé à SLB, c'est de demander dans les commentaires, si les gens ils sont intéressés pour que je commande dans la prochaine vidéo. Donc j'ai un gros gameplay qui vous attend. Donc voilà. Et il sera sur ma chaîne, puis aussi sur la chaîne de team, et pour savoir s'ils veulent que je commente ou pas. Donc allez les gens, demain. Enfin demain, samedi. Le samedi, donc là je commente, on est vendredi, mais comme je mets toujours mes vidéos à minuit environ. Donc voilà. Donc le samedi sur la rage, soyez présents. Allez mettre plein de pouces verts sur ma vidéo. Lâchez plein de commentaires. Pour voilà, enfin, faut pas que vous lâchiez de commentaires, parce que je sais que vous, enfin, si vous pouvez en lâcher, mais je sais que vous voyez que vous voulez que je commente pour la rage, donc voilà. Mais c'est plus pour booster les autres commentaires des gens là, des abonnés, que je commente moi aussi un peu à ma sauce. Mais enfin, j'ai déjà l'idée de commentary, mais sauf que je sais qu'à chaque fois je vais commencer à partir en couille un moment, parce que parler monotonement là, c'est ce que j'ai fait depuis le début de la partie du gameplay, mais j'ai pas grand chose à dire. J'ai le sujet, mais je pense que je mettrai aussi. Ce sera peut-être la même vidéo pour les deux. Donc voilà, dites-moi, faut y aller, d'accord? Et puis voilà, donc dites-moi aussi pour Minecraft dans les commentaires de la vidéo. Puis voilà, donc normalement j'ai fait un 50 killstreak, si je me trompe pas. Voilà, quand même. 66-4, on va pas voir le tableau des scores. Je sais pas pourquoi j'ai dû couper quand j'ai filmé. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces verts. On va le dire 150 pouces verts, ce serait trop bien. De vous abonner et puis tout. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut.